livre de recettes des elfes de maison. C'est du lore d'Harry Potter, on s'en bat les couilles. Ça va ou quoi là? Tu parles de moi? Les Potterheads, je suis désolé les gars. Je suis vraiment désolé là. Bah attends, j'ai plus de connaissances dans l'univers d'Harry Potter que toi, c'est pas juste. Quel est le sort pour tuer une personne d'un coup? Ah, c'est long pour un Potterhead. Je suis pas un Potterhead. Bah moi je le suis. C'est bon, à la Rakazam là, t'as gagné Kazam. À la Rakazam. C'est un truc comme ça là, c'est un truc dans le genre. C'est Avada Kedavra. Ouais, mais c'est exactement pareil en fait. Ok, quel est le sort quand tu veux trouver un objet, par exemple dans ton sac? Par exemple, tu veux trouver un briquet. Findus. C'est des bateaux de poissons, c'est pas un sortilège. Oui, bah ça veut dire trouver en anglais, donc ils sont inspirés. Ah, Findus. Findus. Découvrez votre maison Poudlard. La lune ou les étoiles? Moi je serais plus pour les étoiles. Étoiles. Bon, bah, voilà, on est d'accord. On est de la même. On est de la même maison, bah, en fait, pour qu'on se prend la tête. Ça, C'est pas grave. J'aimerais être Serdaigle parce que Serdaigle, c'est genre ceux qui sont créatifs, intelligents, tu vois. J'aimerais être Serdaigle en gros. Terra, il se trouve beau, intelligent et créatif. Allez, c'est parti. J'ai pas dit beau. Tu pensais trop fort. oui, pour tout le reste. Oh l'enfer! Non, mais non, oh, mais c'est un cliché! Mais oh, c'est un cliché! Je suis dégoûté, hein. Pardon. On est brave, on a grand cœur, super. Bon bah vas-y, Patronus, hein. Allez, Patronus. Paf! C'est un chat? Oh bah tiens! Let's go! Eh, ça va, hein! Bah franchement, c'est nickel. Franchement, ça va, nickel. Franchement, ça me va. C'est un gros chat, en plus il est bien gras, hein. Ouais, il est bien gras, là j'aime bien les chats bien gras parce que tu peux bien les canider là. Oh. C'est un chat de maison ça, c'est... Allez, la baguette, et puis après on passe au jeu. On a quoi? Alors, une... en bois de laurier, belle longue baguette, hein. 12, 3 quarts. Ça c'est de la bonne baguette. Bonne baguette ça. Ah, quelqu'un qui a dit, donc griffon d'or, chat, plume de phénix, vraiment vous dégoûtez. Alors... À quoi ressemble un terrinc? Eh hey mec, on a vu le même, je suis mec dirigé sur lui. C'est... Ok, c'est bon, vraiment, ça veut dire... Depuis tout à l'heure, je regardais lui en me disant, effectivement, c'est celui qui match le plus. Bien blanco, bien white. Ça, c'est bien. Oh, et le curseur au max, ça fait quoi? Waouh, c'est là, on a ça, vraiment passé trop de temps. C'est... Mais attends, c'est une blackface, en fait. Ça, c'est... Ouais, c'est un peu bizarre. C'est plus ou moins qu'une blackface. Ça fait un petit peu bizarre. Restons normaux. Non mais les gars, j'ai dit restons normaux en mode essayons pas de comme faire une nous. Blackface. Je veux dire, non mais j'ai pas dit qu'on était normaux. Non, hey, vous êtes non le chat. Oh, ah, j'avoue, tout le monde en train de faire normaux. Non, le chat, le fait que vous ayez pensé à ça, ça veut dire que c'est très grave en fait que vous. C'est très très ça. Grave. Vous êtes loin d'être innocent comme nous. J'ai hâte d'aller à Préolard. J'ai hâte d'aller à Préolard. Franchement, Préolard, c'est la folie. Ah franchement, c'est. Et viens, on fait pas le truc de terrain ou quoi? On essaie de lui trouver un prénom et un nom de famille, genre... Viens, un truc... Jean Magie ou... Viens... Jean Magie. ou Douglas Potion, tu vois, un truc comme ça. Le gars qui a vraiment... Il était plus déterminé à être sorcier, genre... Oh, il a Francis un prénom Potion, et un son... c'est exceptionnel. Mais voilà, genre un mec a un nom ou un prénom. Ah ouais, j'aime bien. Et franchement, le Jean Magie, je te jure bon, c'est... Bon bah, Jean Magie, parce que tout le temps dans les dialogues, il y aura marqué Jean Magie. Voilà, on peut pas aller dans le dortoir des sorcières. J'ai encore... le gars, oh, le mec il s'incruste. Vraiment un live... Allez, fini la création de perso. Voilà, passons au gameplay. C'est fini. Vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Oh, Jean Magie. Ce serait trop bien qu'ils disent les noms, mais bon, de ça ouf. N'existe pas dans les jeux vidéo. Pas du tout, monsieur. Notre voix, elle a un traitement radio un peu, non? Quand on se met à parler, c'est hyper deep. Pas du tout, professeur. Enlevez les alertes. Les gars, ils parlent en français, ça va pas vous faire chier qu'il y ait parfois un sub au-dessus des sous-titres ouais, quand même. C'est vrai, là pour le coup c'est pas en anglais, vous pouvez rien dire. Vous parlez au-dessus. Eh hey, vous avez qu'à aller sur YouTube avec mais un... Mais c'est hey, un délire ça genre... vous allez sur YouTube, vous tapez Hogwarts Legacy World House, nos commentaries, et vous faites pas chier. On est là pour ruiner les cinématiques, merde. On est là pour skipper les dialogues, on est là pour pas suivre l'histoire. Réveillez-vous. Vous voyez là par exemple, j'ai rien suivi, je sais pas qui est ce mec là. Moi non plus, c'est qui? Je sais pas qui est ce mec là. Je sais pas nous d'où on vient. C'est un professeur, c'est mon père, c'est qui? Oh la vache. Je t'avais dit que c'était un random le mec. Il s'est fait croquer de fou. Oh la dinguerie. Oh
Oh putain, c'est stylé parce que il les voit parce qu'il a vu la mort. La rêve de fou. Ça, c'est trop bien foutu. Mais cette cinématique d'intro est exceptionnelle par contre. c'est, je m'attendais à un truc où on allait rentrer à Poudlard tout doucement en train. Non, je te jure. En mode, voilà les professeurs. ça commence à 8h le matin. Ça c'est un truc magique, hein. Ça c'est de la pure magie. Je m'appelle pas Jean Magie pour rien, ça c'est vraiment de la pure magie. Tu connais combien de sorts? J'en ai un, mais attends. Ouais, mais c'est pas ça. Action, tu Aloe Vera. Se plante. Ça, ouais, mais tout le monde a compris ça, ce que je voulais dire. Aloe Mora. Aloe Vera. Aloe Vera. Aloe Vera. Et ça rend la peau plus douce. Coffre à gauche. Attends, attends. Non, 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 je peux pas retourner en arrière. Con de vieux. Non, il va pas créer un pont. Avec un simple sortilège réparo, il va créer un pont. Ouais, respect quand même. Waouh, j'allais faire vraiment une blague pas la bienvenue. Oh. Par rapport à des événements récents. Oh non, non, non. Parce que ce sortilège aurait vraiment aidé. Mais je vais la garder pour moi parce que déjà, le début de ce live avec la création de personnages était déjà catastrophique. Je pense qu'on a épuisé notre quota. Là, on ne peut plus. De problèmes. C'est trop grave. C'est encore trop tôt. Je suis l'élu. Laissez-moi faire. Je suis plus important que vous. Waouh. Waouh. Par la barbe de Merlin, mais où sommes-nous? Au Vatican. Quoi? C'est fou. Quelqu'un a compris. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. On est en full bluff là. Bah, parce qu'on savait pas qu'on... On fait comme si c'était normal alors ouais, que... Ouais, on savait pas qu'on devait venir ici donc... Le coffre numéro 12 qui contient 2 millions de dollars. Oui. Oh trop bien. Oh ça va être une attraction, comme Disneyland. Bon il va conduire comme un connard. Ouais, ouais il conduit comme un connard. Ça va vite hein. Eh ça va vite. Ouais ça va trop vite. Oh yo 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 yo. Je le ferai bien avec plaisir parce que ça fait pas vomir. Ouais en fait tu bouges pas. Dans le même sens. Ça va juste vite. J'ai juste envie de le faire. Wouah. Numéro du coffre. 12. 12, s'il vous plaît. Oh, je vois déjà quelques petites choses qui m'intéressent. Les coupelles en or à droite, là. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Ah, je te demande qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de magique dans cette salle. Bah, c'est... Alors là, je ne comprends pas. Alors là, c'est très très dur à repérer. J'ai du mal à savoir. Est-ce que quelqu'un sait dans le chat où est-ce qu'il pourrait y avoir un truc magique? Alors attendez, on voit plus beaucoup. Montrez-le avec votre doigt sur votre écran. Facile pour jouer en magie. J'ai vu quelque chose. Oui, bah alors on l'avait vraiment vu sans que tu le fasses. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ah merde. C'est un sacré stupéfixe. Ça n'aura pas pris longtemps pour Jean Magie. Le livre aurait été trop nul si le héros c'était Jean Magie. Vraiment. Oui, mais moi, professeur, c'est la rentrée, je voulais aller juste à l'école, quoi. Là, je vais rater les cours, en fait. Non, mais il nous fait chier avec ses quêtes. On est le 1er septembre, professeur. Quelqu'un approche. Les méchants, Je suis prêt à jurer qu'il est méchant. C'est possible. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas... C'est lui, c'est Oula. Le méchant. Donc ce qu'il vient de faire, c'est illégal, en fait. Alors ouais, non, là il peut aller au prud'homme. Hein. Dommage qu'on soit Gryffondor. Je me demande vraiment ce qu'on va être. Oh, vous lisez du hentai. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Non, 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 c'est sûr que non, je vous jure que non. Eh merde, ils nous ont remis Gryffondor. Décidément, on est vraiment non, mais... des Gryffondor. On veut pas l'être. Hein, on veut pas l'être, mais on l'est, quoi. C'est... Public, à mon télécommande, c'est parti, attention. Voici la question. On laisse le chat voter parmi 4 propositions et on fait table rase des quiz qu'on a fait et du test qu'on vient de faire. 39% de Poufsouffle. Non, non, allez vous faire foutre, vous avez pris la pire maison, vous êtes sérieux? Justifiez votre choix. Justifiez, pourquoi vous voulez à tout prix que ce soit Poufsouffle? Ah non, mais t'imagines le dossier? Jean Magie, Poufsouffle. C'est la gueule. Mais c'est trop nul. Ah, apparemment, Poufsouffle, ils ont une quête que toutes les autres maisons n'ont pas, où on peut voir Azkaban. Poufsouffle. Vive Poufsouffle. Il a vraiment fait le quand on tire sur Counter-Strike. Ah bah attends, je peux le faire, regarde. Merci pour cette démonstration. Pas fort du tout dans mes oreilles en plus. Même moi je me dis c'est un peu fort là. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre. En commençant par les bases. 3, 2, 1, ça commence.
Alors, non mais attends, c'est vachement violent, c'est un élève. Je vais lui casser tous les membres. Tu vas être en vacances, connard. Gars, il peut même pas m'attaquer. Hop là, stupéfix. Dans ta mère. Tu vas tomber de la table, gros loser. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Genre, je t'ai pas décoiffé là. Rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Hey, il a l'air d'un rigolo, mais putain. Hey, il sait faire, hein, regarde, un terrain de pétanque. Il est chaud. Hey, prends une boule à toi et défonce la sienne. Attends. Bah non, mais en vrai. Attends, j'essaye. Mets-toi dans l'axe. C'est les règles de base de la pétanque. Ah, il aurait fallu faire plus fort. Ah, je vais y aller plus fort, je vais y aller plus fort. Ah, elle a bien géré son truc, hein. Ah, elle est forte, elle l'a protégée. Non, aïe, 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 aïe. Égalité. Égalité. Ou alors là, tu fais un coup de maître et t'essayes de défoncer ces deux de toutes tes forces. Match nul. Qui applaudit super vite. T'as vu comment il applaudit ultra vite. L'applaudissement, il était super rapide. Je peux vous parler un instant? Ah, bien sûr, professeur. J'ai adoré voilà, ce cours. Voilà, j'espère qu'on a bien parlé, professeur. Pas de temps à perdre. Oh, Madame Weasley. Vous êtes aussi chiante que vos descendants. Wow. C'est dans les gènes, alors. Hein. Axio, page volante. Vas-y, Axio, bah, Axio, page volante. Oui, mais il faut dire Axio, page volante, sinon ça marche pas. Il faut préciser l'objet, tu as raison. Si vous jouez à ce jeu et que vous dites pas Axio à l'oral et l'objet, vous avez rien compris au jeu, par contre. Peut-être que ça marche, mais vous avez rien compris. Il y a un gars qui a dit Axio, une meuf. Ça fait des années qu'il essaie de faire le sortilège, ça marche pas. Oh là, oh là. Oh là là, oh là là. Attends, oh là, c'est très mal appris, le réparo il va faire n'importe quoi. Tu peux me faire un réparo intestin grêle, s'il te plaît? Y'a pas de problème. Réparo flore intestinale. J'aimerais tellement. Ah, ça pouvait marcher. Et réparo fion hérité, comme ça, tout est... Comme ça, on repasse sur des basses scènes, voilà. Tout est bon. Réparo gueule de merde pendant qu'on y est, ça coûte pas plus cher. Réparo mon frein. C'est vachement bizarre d'aller d'un point A à un point B en courant alors que c'est pas pressé. Oh, attention! À la gazam! À la gazam! Je sais même plus comment c'est encore. Bonjour, oh putain, t'as encore le screen de la baguette? Oui, je pense que je peux le trouver. Et peut-être même de mémoire. Oh alors non, parce qu'il y avait... Bois de laurier? Plume de phénix? C'est pas du tout celle qu'on voulait. Comment on va lui dire? C'est très énorme, monsieur Olivander. C'est pas du tout du laurier. Elle est jolie, mais j'en veux pas. Elle est jolie, mais ce n'est pas la mienne. 35 cm, ça commence à faire. Ouais, c'est balèze quand même, hein, 35 cm. Oh, c'est trop presque. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. Allez, bah 45 cm alors. Une baguette d'un mètre, ça va, voilà. Prenez-la. Ah, malin, on l'a choisi. On a plutôt une baguette de chair ou une baguette de sang? Moi je dirais une bonne grosse baguette de sang. Extraordinaire. C'était bien. Différent. Ça de voix radio me... Attends, je vais essayer de refaire ça. Va. C'était bien. C'était bien, merci professeur. Ça va vraiment bien. Je pense que c'est la bonne baguette. Je sais pas ce que c'est du dictame. Alors là. Tu sais pas, ce que c'est. Bah je suis sur Potterhead mais pas sur la botanique. Je comprends, on peut pas être bon partout. Le dictame c'est le truc qu'ils se mettent sur la peau pour faire repousser. C'est de la chirurgie réparatrice. Mais badigeonnez-moi les intestins grêles de dictame. Ils vont être tout neufs. Et si je mets un peu de dictame sur ma calvitie, est-ce qu'elle se complète? Est-ce que ça repousse? Est-ce que si je mets du dictame sur le jeu il a 20 FPS en plus? Ah oui d'accord, faut vraiment... Protego oh là là, ne va pas ouais. M'aider dans ce cas-là. Ouais non, faut esquiver là. Je crois qu'on va pas Protego avec lui. Je t'ai réparé. Tu vas te réparer là. Ouais, il s'est fait défoncer. Merci Link, maintenant le troll n'est plus stérile. C'est un petit bonus quand même, on est sympa. Wow. T'as le droit de faire ça? C'est mon ult. Bah... T'as le droit de désintégrer des créatures?
Ce serait quand même plus pratique de le faire au tout début du combat. Il a quand même détruit tout le village.